Aujourd'hui, c'est la journée d'arrivée. Donc d'abord voyage, bien sûr. Ensuite, on arrive suffisamment tôt pour être dans une journée qui soit, l'organisation qui soit cool. On va arriver vers 11h30 à l'aéroport à Nice. Ensuite, installation au camp de Moratoglou. Déjeuner, entraînement prévu à 16h, ce qui va permettre aux enfants de se reposer un petit peu. Salut Philippe. Salut les gars. Salut Philippe. Salut Philippe. Ouais. Toi aussi? Et au chien et ouais, moi aussi, ouais, exact. Laurent m'a dit que vous aviez fait un bon stage à Deauville. Ouais. Une bonne évolution sur notamment tout ce qui concerne la concentration. Ouais. Ça veut dire que votre objectif se précise. Ouais, se met en place et se précise parce que là on y est là. On y est pour de bon. Bien derrière la balle avant de se mâcher. Ils ont l'air d'être complètement dans le coup. Je pense que le discours à porter d'une part et aussi ils se sont mis dans la peau de joueurs de l'équipe de France qui vont jouer une phase finale de Coupe d'Europe. Vous tenez remarquablement mieux la balle, plus facilement. Vous le ressentez vous dans les séries que vous faites? C'est important ça. Ils ont 12 ans, certes c'est jeune, pas tout à fait 12 même, certains, mais ils portent le maillot avec France dans le dos. Donc à partir de là, ils ne sont plus représentants d'eux-mêmes, mais représentants de leur fédération, et encore plus même du pays, de la France. Et ça implique des devoirs, et notamment celui de l'exemplarité dans le combat, dans la discipline, dans l'image qu'ils vont donner de ce que l'on est. Pas bonne la série là, Raph? Ils sont sur la bonne voie. Il faut continuer maintenant. Allez.